بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب شرح لي صدر ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي Mes frères ainsi que vous, mes soeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec une nouvelle formule qui rapporte beaucoup de hasanat. Vous êtes maintenant, alhamdoulilah, des adeptes du dhikr. Vous aimez le dhikr, vous êtes en train de faire partager cette belle adoration à votre entourage. Aujourd'hui, on va voir ensemble Subhanallah al-Azim wa bihamdihi. Gloire et pureté à Allah, l'immense, ainsi que louange. Alors, le prophète s'en dit que celui qui dit Subhanallah al-Azim wa bihamdihi se voit planter un palmier au paradis. Subhanallah. Chacun d'entre nous sur terre, une des choses la plus belle qu'il pourrait faire, c'est d'avoir une belle maison, hein, spacieuse, une villa de préférence, et il en est propriétaire. Ça, c'est, on va dire, le rêve de beaucoup de gens sur terre, d'avoir une grande maison spacieuse. Et puis attention, c'est pas interdit d'avoir une belle maison, une maison spacieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ibn Hibban selon Sa'ad radiyallahu anhu, il a dit arba'a min as-sa'ad, quatre choses font partie du bonheur, minha al-maskan al-wasi', la maison spacieuse. Donc avoir une grande maison, c'est quelque chose que tout le monde aime, tout le monde recherche. طيب ما فيش كلام. OK. Sur terre, quand on a réussi à avoir une maison ou un appartement, hein, qui est spacieux, on veut le meubler. On veut bien le meubler. On essaye d'acheter des choses neuves, ou bien des choses de très bonne occasion, etc., etc. Et on aime la déco, n'est-ce pas? Là, Allah tabarak wa ta'ala te facilite de décorer, hein, l'endroit dans lequel tu seras, en disant Subhanallah al-Azim wa bihamdi, des palmiers. Bien sûr, tu te dis un palmier, c'est ouais. Je ne sais combien de mètres d'hauteur, hein, ça ressemble un peu à ce que je vois au bled quand je vais à la plage, etc. Non. La ressemblance de ce qu'il y a sur terre et ce qu'il y a au paradis n'est que dans le nom et non dans la forme. C'est que dans le nom et non dans la forme. Donc le palmier qui t'attend au paradis par Subhanallah al-Azim wa bihamdihi, le hadith il est rapporté par Tirmidhi, sache qu'il n'a rien à voir avec les palmiers de la terre. Rien à voir. Ils sont super beaux. Rien à voir. Tu ne peux même pas les imaginer et tu n'en as jamais vu un. Hein, parmi ceux qui sont au paradis. Donc voilà, Subhanallah al-Azim wa bihamdihi. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On avait Subhanallah wa bihamdihi, on a rajouté al-Azim au milieu. Vous vous rappelez, Subhanallah wa bihamdihi, c'est 100 fois, ça fait quoi? Tous tes péchés sont déchargés, même s'ils avaient le volume de l'écume de la mer. Ça va, vous êtes avec moi, alhamdulillah. Donc, Subhanallah al-Azim wa bihamdihi, un palmier au paradis. Qui pourrait passer à côté de ça, franchement, à part quelqu'un qui ne veut pas le bien pour lui-même? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de mettre en pratique toutes ces formules de dhikr et surtout de les enseigner à ceux qui sont autour de nous. Barakallahu fikum, hadha wallahu a'lam, wa jazakumullahu khair, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.